Bonjour tout le monde, on y va avec les exercices supplémentaires du chapitre 8 portant sur l'énergie, concept d'énergie, surtout l'énergie cinétique, l'énergie potentielle, puis la loi de la conservation de l'énergie. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Fait que là, on a une automobile qui, dans le fond, a une masse, on va l'écrire tout de suite, M, de 1250 kg, s'est arrêtée. Le conducteur démarre, roule, puis finit par s'arrêter, donc un peu plus loin. Fait que ça veut dire que on accélère donc un peu, on reste stable avec une accélération de zéro, puis après ça, on veut décélérer pour revenir donc à notre position de zéro. On veut savoir ici quelle force résultante agit sur la voiture entre cette variation de temps-là, entre un temps de 0 et 8, entre un temps, le deuxième temps, là, la deuxième portion du graphique de 8 et 48, puis entre la troisième portion, 48 et 60. Fait que dans le fond, on ne peut pas prendre F est égal à mg pour aller chercher la force. Parce que nous autres, de 1, on veut la force résultante et on se rappelle que la force résultante, ici, F est égal à ma, c'est une des lois de Newton. Puis de toute manière, F est égal à mg, ben, c'est quand qu'on s'intéresse, dans le fond, donc, admettons, donc, un objet qui est en chute libre, que l'attraction gravitationnelle a une influence. Mais ça, ce n'est pas ça, pas en tout, donc ici. Fait qu'on va toujours faire donc la masse fois l'accélération pour chacune des trois parties du graphique. Fait que la première partie du graphique, bien, on a une accélération partie 1 de 2. La deuxième partie, on a une accélération de 0, hein, entre 8 et 48 secondes. Puis la troisième partie, celle-là ici, si c'est divisé donc en 3, fait que 1 divisé par 3, là, c'est par bond de 0,33333333 le périodique. Fait que ça veut dire qu'ici, on est à moins 1,33. Fait que dans le fond, je vais y aller trois fois le même calcul, la masse. Masse qui va rester pareil. En passant, la masse ne change jamais, donc le poids change, là, par exemple, dépendant de quelle planète on va travailler. Mais sinon, ben, la masse reste constante. Puis on va faire fois l'accélération. Fois l'accélération de la première partie qui est 2, fois l'accélération de la deuxième partie qui est 0. Hein. Fait que là, on se rend compte là, qu'il y a 0 newton, là, finalement, donc de force là, fournie. Puis dans la troisième, vu que c'est une décélération, on va mettre un négatif. Puis justement, on le prouve en traînant notre négatif ici. Donc, notre force pour décélérer. On a des petites questions aussi là, en B puis en C. Quelle est donc l'énergie? On veut savoir en B, quelle est l'énergie cinétique, EK, comme ça ici, de la voiture entre la 8e et la 48e seconde. Fait que dans le fond, si on va aller chercher l'énergie cinétique, donc c'est toujours une demi fois la masse, fois la vitesse au carré. Et on fait attention, hein, quand on met la vitesse au carré, c'est toutes les unités avec le chiffre, donc au carré. Mais là, il nous manque la vitesse pour aller calculer notre énergie cinétique. Fait que vu qu'on ne peut pas utiliser donc une autre forme d'énergie là, pour aller calculer la vitesse, on va servir des formules du MRUA, du mouvement rectiligne uniformément accéléré. J'ai choisi celle-là, donc qui est la vitesse initiale de zéro. Parce que, tu sais, dans le fond, donc, au début, 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 donc, notre vitesse, donc, était de zéro. Après ça, donc, notre accélération à 8 secondes était de 2. Puis, bien, pour tomber sur notre plateau, hein, vous rappelez, là, ben, je vais y aller dans le graphique, ça va être vraiment plus facile, donc, comme ça, là. Fait que si on y va dans le graphique, là, au début, donc, on accélère. Puis, bien, c'est sûr qu'à 8, ben, on est toujours avec une accélération de 2. Puis après ça, bien, dans le fond, notre accélération là, va durer donc 8 secondes. Après, on va rester à un mouvement constant, mouvement rectiligne, donc uniforme. Fait que ce n'est pas de cette section-là, finalement, qu'on parle. Puis pourquoi qu'on nous parle du 48 secondes? C'est qu'après 48 secondes, ben, c'est de 8 à 48, là, ça ne changera pas, là, finalement. Donc, notre vitesse, là, elle va rester constante. Fait que dans le fond, c'est comme si on allait chercher donc, notre portion là, de vitesse de 0 à 8. Parce que de toute manière, ici, donc, on va rester donc constant jusqu'à 48 secondes. Fait que la vitesse finale ne variera pas. Fait que je vais y aller donc ici. Donc, ça veut dire qu'à 0 seconde, ben, dans le fond, donc, j'allais à 0 mètres par seconde. Ensuite, mon accélération, donc ici est de 2, puis tout ça pendant de 0 à 8 secondes, qui va rester dans un temps, une variation de temps de 8 secondes. Fait qu'on va être à 16 mètres par seconde. Fait que je mets mon 16 mètres par seconde là, je calcule ça. J'ai mon énergie cinétique. On aurait plus tendance à dire hein, que c'est l'énergie cinétique là, entre 0 et 48 secondes ou 0 puis 8 secondes, là, mais c'est parce qu'on le sait qu'entre 8 et 48, ben, ça reste stable. Quel travail? Oh, ça, c'est le gros W qu'on va aller chercher.
a été fait pendant la période de freinage. Fait que là, la période de freinage, hein, c'est quand on est dans le négatif. Fait que nous autres, ben, on veut aller chercher le travail. Travail, on se rappelle, hein, que pour une force constante, puisqu'on n'a pas d'élastique, on n'a pas de ressort, la formule, c'est la force fois le déplacement. Là, vous allez dire, oh boy, donc là, il va me manquer donc, des petites données. Pour aller chercher la force, où est-ce que je suis allé chercher ça? Regardez bien. Je suis allé chercher ça au numéro A. Fait qu'on a notre force ici pour la force de freinage, pour notre décélération. Fait que je recopie. Donc, mon 1663 newtons. Et pour savoir la distance de freinage, bien, le graphique ne me le donne pas. J'ai aucune indication. Fait que, ah non, je vais être obligée de prendre ici les formules du MRUA, encore là, pour savoir, bien, sur quelle distance je vais décélérer. Moi, je vais aller chercher ici le delta X, fait que je vais aller l'isoler. Pour l'isoler, ben, je vais envoyer mon VI à la 2 de l'autre côté en faisant moins VI à la 2. Pour me débarrasser du 2 puis du A, vu qu'il y a des multiplications, ben, je vais diviser par 2, je vais l'envoyer en dessous, je vais diviser par A. Fait que tout ce que j'ai à faire, là, dans le fond, c'est cette formule-là. Fait que ma vitesse finale, ben là, si je veux freiner, je vais écrire frein, là, ben, on va atteindre une vitesse de 0. Notre vitesse ici, ben, c'est elle là, que j'ai trouvée donc, en haut, là, donc au numéro B, qui est de 16, donc au carré. Fait que ça, dans le fond, c'est comme si ça n'existait pas. Je divise par 2. Je divise par mon accélération de freinage que j'ai trouvée sur mon graphique et que je me suis servi dans le numéro A. J'ai ma distance de freinage que je pitche ici. Donc, je multiplie. Je vais garder mon petit négatif juste pour dire là, que c'est de freinage, mais si on l'oublierait, là, ça ne serait pas si grave que ça. On le sait qu'on va freiner. Numéro 2. Je vais tourner ma page aussi. Et quand on dit une force variable est appliquée sur une masse M de 12 kg initialement au repos. Fait que ça veut dire que sa vitesse initiale est au repos sur une surface horizontale. On nous dit quel travail est effectué par cette force variable. OK. Fait que là, nous autres, si on va aller chercher donc la force, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que là, on a comme le graphique là, de la force en fonction donc du déplacement. Fait que si on veut savoir donc le travail effectué tout le long, il faut comme comprendre que le travail, on se rappelle, hein, c'est la force fois le déplacement. Hein? Fait que la force fois le déplacement, c'est comme si j'allais chercher l'air sous la courbe. Ça, c'est comme nouveau, là. T'sais, on n'a pas même vu dans les notes de cours, là. Il fallait comme y aller donc avec la logique. Fait qu'il va falloir aller chercher l'air du petit triangle ici, l'air du carreau, donc ici. Après ça, ben, je crois que j'y vais avec le parallélogramme. Je ne sais pas si vous avez vu, la petite base, grande base, là. Ou j'y vais avec le triangle plus un autre petit rectangle. Fait que le but, c'est que je vais aller additionner toutes ces aires-là. Fait que je vais commencer donc avec l'aire du triangle. Tiens, on va mettre un petit triangle comme ça. On sait que c'est base fois la hauteur divisée par 2. Fait que ça, c'est quand même facile, là. Je m'en vais sur mon graphique, là. Une base de 8 fois la hauteur de 20, je divise par 2. Pour ce qui est ici de mon carré, ben, c'est facile, là. Je vais faire de 8 à 16, donc c'est 8. Comme ça ici. Ben, c'est plus un rectangle, hein, c'est pas un carré, donc c'est un rectangle. Donc 8 fois la hauteur qui est de 20. Je vais aller vous mettre un petit rectangle ici, comme ça. Donc base fois hauteur, 8 fois 20. Tu sais, là, dans le fond, là, on peut l'écrire directement, là, 8 mètres fois 20. Ici, les petits zéros, on n'a pas besoin pantoute. Puis ensuite, ben, on va aller décomposer. On décide de décomposer là, le petit triangle. Fait qu'on va faire le petit triangle là, encore là. Donc on a un 8 mètres fois donc, la hauteur donc, qui est 30. On peut y aller directement avec 30, on divise par 2. Puis le rectangle, le grand rectangle mince, mince, là, base, comme ça, fois la hauteur. Encore là, on peut y aller donc avec notre soustraction, on n'est pas obligé de l'écrire. On peut y aller directement donc avec notre réponse. Puis ça va me donner notre nombre de joules. Le but, c'est qu'il faut aller additionner. On veut savoir le travail total. Fait qu'on va aller additionner donc tous nos chiffres. On fait une somme. Puis la somme donc des travaux, bien, c'est sûr que ça va me donner le travail total. Et voilà. Ça me surprendrait qu'on ait ça à l'examen, mais tu sais, c'est le fun de savoir que ça se fait. Numéro B. Sachant que tout le travail effectué par cette force s'est transformé en énergie cinétique, fait que ça veut dire que le travail s'en va tout en énergie cinétique. On veut savoir, bien sûr, la vitesse finale. Fait qu'on va prendre la formule de l'énergie cinétique. On va aller isoler donc la vitesse. Pour isoler la vitesse, le contraire de divisé par 2, c'est fois 2. Fait que j'envoie mon fois 2. Et puis là, je mets mon 2 en avant. Hein. C'est beaucoup plus beau là, avec un chiffre en avant.
Le contraire de fois m, c'est divisé par m, puis l'autre contraire d'exposant 2, c'est la racine. Fait que tout simplement, je remplace mes chiffres ici, donc 2 fois mon travail que j'ai calculé total. Tiens, je vais écrire WT pour travail total. Je divise par la masse qu'on m'a donnée dans le problème et j'ai ma vitesse. Fait qu'on voit hein, qu'on peut mélanger donc un peu donc tout ce qu'on a vu là jusqu'à maintenant. Exercice synthèse, fait que ça, c'est tout mélangé. Détermine l'énergie potentielle élastique emmagasinée dans un ressort que l'on comprime sur une distance, sur un allongement de 12 mètres. Et nous autres, on n'aime pas ça, les centimètres, hein? On met tout le temps ça en mètres en divisant par 100. Si la constante de rappel du ressort est le K, est de 20 newtons par mètre. Fait que là, il faut allumer, là. Il faut vraiment aller travailler donc avec la formule du travail ou de l'énergie potentielle élastique. Fait qu'on résout notre problème tel quel. Donc, mon 1/2 fois la constante, fois mon allongement, mon étirement, puis je mets tout ça avec les unités à la 2 et ça me donne ma réponse directement finale. Donc, on écrit ça, puis le tour est joué. L'autre côté. De quelle hauteur? Fait que là, je vais aller chercher ben, soit le H ou soit donc le delta Y. Là, moi, j'aime mieux donc le H, là. Une masse. Fait que si je continue, donc avec nous autres, on cherche bien sûr ben, de quelle hauteur une masse de 2 kg doit-elle tomber pour que le travail de la force gravitationnelle sur celle-ci soit d'une énergie, une énergie, j'imagine, potentielle gravitationnelle, ce qui est en hauteur, là, de 60 joules. Fait que là, on aurait tendance à penser, mais là, je vais-tu prendre, admettons, mes formules du mouvement en chute libre? Non. Parce qu'on me parle de joules, on me parle d'énergie. Fait que je vais y aller avec mon dernier chapitre, là, tu sais, dans le fond, les formules du dernier chapitre, les formules de l'énergie. Fait qu'ici, ma formule de l'énergie potentielle gravitationnelle, moi, j'aime mieux hein, MGH. Donc, c'est comme plus condensé, donc un peu. Fait que si j'isole le H, je vais envoyer mon M en dessous, mon G en dessous. Fait que tout ce que je vais avoir à faire, donc, c'est l'énergie qu'on m'a donnée, donc 60 joules. Je ne suis pas obligée de mettre un moins ou un plus, là. Je ne veux pas savoir, là, c'est l'énergie, là, finalement. Donc, bien, on le sait que de toute façon, ça descend, là. Fait qu'on peut mettre un négatif à la fin pour dire que c'est vers le bas, mais ce n'est pas nécessaire. On divise par la masse, on divise par le G, puis le tour est joué. Donc, on est allé trouver notre distance facilement. Numéro 3. Durant un saut à l'élastique. Oh, fait que là, on le sait, là, qu'on va se servir de nos formules de force variable. Fait qu'on a le choix de ces deux formules-là. Une amatrice de sensations fortes se retrouve immobile et suspendue à un élastique dont la constante de rappel, K, est de 50 newtons par mètre. Si son poids est de, le poids, on se rappelle, hein, c'est FG, là, il faut le savoir, de 600 newtons, quelle est l'énergie potentielle élastique? Énergie potentielle élastique emmagasinée justement dans cet élastique-là. Fait que c'est justement la formule qu'on se parlait. Fait qu'on va aller la résoudre donc ici, comme ça. Fait que le 1/2, ça va bien. La constante de rappel, je l'ai. Mais oh, je n'ai pas donc mon étirement, mon allongement. Fait qu'il va falloir que j'aille chercher donc mon delta X ou mon étirement, mon allongement, là, comme vous voulez. Fait que comment que je vais faire pour aller chercher ça? Bien, je vais utiliser mon autre formule ici. Je vais aller isoler mon delta X, puis ensuite, ben, je vais pouvoir aller la résoudre. Hein? C'est-à-dire, ils mettent mes formules en haut, ils isolent, puis là, ils font le calcul en bas. En tout cas, moi, je vais vous les regrouper donc, avec des flèches. Fait qu'on y va donc avec la force, 60, divisé par la constante de rappel du ressort, 12. Fait qu'on a un allongement, un étirement de 12. On met ça là. On n'oublie pas que c'est le 12 mètres qui est au carré. Puis, ben, on résout, on calcule tout simplement avec notre calculatrice, puis le tour est joué. On s'en va au numéro 4. Quelle est la variation d'énergie potentielle gravitationnelle? Fait que variation d'énergie potentielle gravitationnelle d'un parachutiste qui a une masse de 72 kg au cours d'un saut à partir d'une altitude, une hauteur de delta Y ou H, là, ça fait aussi par rapport au sol. Bien, c'est tout le temps par rapport au sol, là, parce que sinon, là, c'est difficile. Fait que nous autres, on va aller chercher énergie potentiel gravitationnel. On se rappelle que c'est MGH. Moi, j'aime mieux cette formule-là. Elle est plus courte. Fait que je vais faire tout simplement ma masse fois mon G fois ma hauteur. On a même un petit négatif, là, juste pour dire que ça s'en va vers le bas, là, mais on n'est vraiment pas obligé. Ça me donne 1 470 000 joules. Facile, facile. Numéro 5. Sur un porte-avions, un système de catapulte tire l'avion qui décolle vers l'avant
pour aider ses moteurs à produire une plus grande accélération possible. Ceux qui ont écouté Top Gun, c'est sûr que vous allez pouvoir voir ça, là. Donc, il y a un petit système de décollage pour que ça décolle plus vite. Si un avion, oh, qui a une masse de 25 tonnes, là, les tonnes, nous autres, on ne travaille pas avec des tonnes, là, on va changer ça donc en kilogrammes. On se rappelle que pour changer de tonnes à kilogrammes, il faut faire donc fois 1000, doit atteindre une vitesse V de 80, ça c'est la vitesse finale, là, ça doit l'atteindre de 80 mètres par seconde pour décoller et que ses moteurs effectuent un travail de 25 mégajoules. Mégajoules, là, ça veut dire des millions de joules. Fait que je vais comme à rajouter dans le fond 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. Puis là, c'est pour ça qu'ils ont mis la virgule ici, là. Fait que vous pouvez le laisser comme ça, là, en joules, ou le mettre en notation scientifique. Puis on veut savoir, ben, quel est le travail de la catapulte? Et en pensant que si la vitesse finale, c'est de 80, ben, j'imagine qu'on part d'une vitesse initiale de 0 mètre par seconde. Ça, c'est à nous à déduire ça. Bon, fait que là, on va aller calculer ça. Nous autres, on va aller calculer donc le travail par la catapulte. Donc, on va aller chercher les affaires, là, tu sais, les formules là, qu'on est capable donc d'aller calculer. Fait que c'est sûr que ça va être en mouvement, cet avion-là. Fait que c'est sûr qu'elle va passer d'une vitesse initiale de 0 à une vitesse finale de 80. Fait qu'on va aller chercher l'énergie cinétique donc à la fin, l'énergie cinétique au début. Là, c'est fois 0. C'est clair que si on calcule ça pour rien, ça va nous donner donc 0 pareil. Fait qu'on va aller calculer l'énergie cinétique au début. Ça va être un peu égal donc à comme notre énergie totale, là, si on veut. Fait que je vais faire une demi fois la masse fois la vitesse, toutes les unités au carré. Et ça nous donne donc ici 8 fois 10 exposant 7 joules. On nous dit qu'il y a le travail des moteurs. Le moteur, là, effectue donc un travail pour décoller. Fait que ça veut dire que ces moteurs-là, là, tu sais, c'est pas là, dans le fond, le travail là, qui est final, là. Et ça va l'empêcher un peu d'avancer. Fait que sur toute l'énergie qu'il faut, les moteurs, ben là, eux autres, ils ont besoin de cette énergie-là qu'on va aller soustraire. Fait que le travail donc, que doit effectuer la catapulte pour compenser est de 5,5 fois 10 exposant 7 joules. On s'en va de l'autre côté. Bien, Colin, je pense que c'est notre dernier numéro, ça. Fait que numéro 6. En dévalant une pente de ski, Philippe, dont la masse M est de 60 kg, perd de l'énergie potentielle gravitationnelle. C'est sûr. Parce que lui, là, quand il descend, 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 descend la pente, bien, en haut, là, il y avait full énergie potentielle gravitationnelle au max. En descendant, ben, il perd de l'énergie potentielle gravitationnelle, mais il gagne de l'énergie cinétique. Bon, ça, on avait vu ça en classe. D'un bout à l'autre de la piste, il va parcourir 2 km. Bon, ben, ça, c'est comme sa distance. Fait que, si on peut mettre D ou bien delta X, delta Y, la hauteur, là, on s'en fout un peu. Puis, il a perdu 400 mètres, donc, d'altitude. Bon, fait que là, on a mis moins 400 mètres, là, pour dire là, qu'on a perdu ça. Quel est le travail fait sur lui par le frottement sur les parties du repos en haut de la pente, une vitesse initiale de 0, on peut déduire, qui est arrivé en bas à une vitesse finale de 15 mètres par seconde. Bon, fait que là, on va aller voir un peu qu'est-ce qu'on est capable donc de calculer. Fait que là, c'est clair qu'on nous parle d'énergie cinétique, là. Fait que comme tantôt, on va aller calculer avec la vitesse initiale, ben, finale, là, moins initiale, comme ça ici, son énergie cinétique. On le sait bien que quand c'est zéro, ben, ça va donner rien. Fait qu'on va juste aller calculer son énergie cinétique, là, finale. Je vais faire une demi fois ma masse, fois ma vitesse, tout ça, donc avec les unités au carré, qui va me donner donc ça ici. Donc ça, c'est la variation de mon énergie cinétique. Bien entendu, donc au haut de la pente, ben, j'ai comme une énergie potentielle. On a dit qu'en haut de la pente, on avait donc 400 mètres d'altitude. Là, vous allez dire, mais là, qu'est-ce que je fais avec le 2 km? Tu sais, nous autres, on s'en fout, là, que si on parcourt la pente comme ça, puis j'ai un 2 km à faire. Nous, là, on s'intéresse à la hauteur à partir du sol. Fait que, tu sais, là, qu'on parcourt là, une grande, grande, grande portion ou une petite portion de même. On s'intéresse juste à la hauteur. Fait que c'est pour ça là, qu'on va prendre l'altitude avec le H, parce que de toute manière, dans la formule de l'énergie potentielle gravitationnelle, MGH, ben, c'est le H qui nous intéresse. Fait qu'à la fin, ben, on a une hauteur de zéro, fait qu'on s'en fout, on n'ira pas calculer ça. Fait que tout ce qu'on va faire, c'est la masse fois le G fois le H, comme ça ici. Ça va nous donner, talam, donc une énergie potentielle.
Donc, dans le fond, on peut maintenant donc isoler, ben, déduire là, que pour aller calculer donc l'énergie, la force de frottement qu'exécute un travail donc durant donc la descente de Philippe, fait que je vais tout simplement prendre son énergie donc cinétique qu'on a calculée là, moins donc la valeur du travail là au niveau de l'énergie potentielle donc gravitationnelle, fait que c'est clair que on doit exercer donc, une force de frottement, habituellement, ça s'oppose au mouvement, c'est pour ça que ça donne un négatif, là, de 228 450 joules. Là, il y en a qui vont dire, ben là, je suis obligée vraiment d'écrire ça, là, que le travail total, ben, c'est le travail gravitationnel, plus le travail de frottement, plus, là, finalement, donc, tout nos travails, là, qu'on peut additionner. Non, mais tu sais, il faut comme l'expliquer, donc, un peu, donc, dans nos mots, là, ça, c'est sûr. Fait que juste là, être capable d'expliquer ou bien de résumer un peu qu'est-ce qu'il y a ici. Donc, comme là, on nous dit, le travail total, c'est la variation de l'énergie cinétique qu'on a calculée tantôt. On peut établir dans une équation que dans laquelle donc, le travail du frottement sera la seule inconnue. Durant la descente, ben, il y a trois forces qui agissent. Donc, la force gravitationnelle qu'on est allé calculer avec l'énergie potentielle gravitationnelle, la force du frottement qu'on, dans le fond, donc qu'on calcule. Puis, on a donc la force normale, tu sais, que nous, là, qu'on va comme considérer, donc, à zéro. Je ne sais même pas pourquoi ils en ont parlé de toute manière. Fait que ça fait donc un peu le tour. Donc, c'est sûr que c'est un défi, hein? Donc, des exercices un petit peu plus complexes. Fait que je vous mets ça en ligne. À plus tard. Bonne fin d'année.